Allez, C'est parti pour une expérience grandeur nature avec GitHub Copilot. J'ai reculé mon siège parce que j'ai l'intention de laisser GitHub Copilot faire tout le boulot à ma place quasiment. Donc, on va se créer une petite API REST qui va utiliser, qui va créer un serveur web avec Express, qui va requêter une base MongoDB via l'intermédiaire, via Mongoose plutôt, par l'intermédiaire de Mongoose. Et pour faire des requêtes, on utilisera le plugin Thunder Client requêtes, ce qui va nous dispenser de créer un formulaire. Euh, donc, pour gagner un peu de temps, l'objectif c'est de réussir à faire tout ça en dessous d'une de demi-heure. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. On est dans notre répertoire euh, test. Alors, j'ai fait plusieurs expériences je vous montrerai les résultats différents, parce qu'en fait, euh, à chaque fois, je vous tiens un résultat qui est un peu différent du précédent donc dans l'architecture de l'application mais bon c'est toujours le, la même logique. Ben on va l'appeler copy test crud bis pour pas écraser le premier crud youtube. On l'ouvre avec Visual Studio Code pour pouvoir bénéficier de github copilot hein, puisqu'on a installé le plugin. Alors j'avais demandé euh, L'accès à GitHub euh, Copilot jeudi dernier, je l'ai eu hier soir, euh, mercredi, donc ça a pris 6 jours. Allez, c'est parti, on veut se créer un serveur.js. Lui, ce sera pour vraiment la partie euh, propre à Express, Node Express. Donc on va lui demande, à l'aide d'un simple commentaire, de Create a REST API for books uh, with Express. Eh bien, c'est parti! Non, pas d'auteur! <laughs> c'est gentil, mais je voudrais juste. Voilà! Bon, la seule chose qui est dommage, c'est qu'il utilise var, alors que var est parti à la retraite depuis avec ma script 6. On aurait dû utiliser const et let si on avait besoin de modifier express, mais bon, on enfin, va chipoter, il suffirait d'utiliser après un l'inter pour nous remplacer tous les var par des const. Express, c'est parti, on est bien content. Books, il a bien compris! Ah, il va nous créer des books. <laughs> ah, c'est pas con. Ouais, bon, je suis juste par curiosité. Vous avez vu, il a quand même compris qu'on était dans le champ sémantique d'un livre. On va le laisser faire. Mais ouais, ce que j'ai envie, c'est qu'il utilise. Bon, on s'amuse juste à en générer un deuxième. C'est juste pour montrer que c'est intelligent. Bon. Enfin, ah. c'est intelligent et c'est têtu aussi en même temps. C'est peut-être aussi le propre de l'intelligence. Peut-être têtu. Je pense qu'on va faire en fait. Euh, nous, on aimerait bien utiliser. Un Mongoose. Peut-être que j'ai pas été explicite. Pas Mogwai. Mongoose. Mongoose. Donc, euh, voilà, ce jour pour vous montrer qu'il est, est capable de faire des choses en dur quand vous faites un, un POC. Il recommence avec son auteur, là. Voilà. J'ai toujours envie d'appuyer sur Entrée, en fait. Il faut appuyer, faut appuyer sur Tab. Voilà, là, il demande Mongoose. Il nous crée une instance d'application Express. À partir de la se à la base de données alors si vous connaissez bien express vous savez que vous aurez des warnings si vous passez pas en deuxième euh, argument un objet avec ces euh, je vous ai trouvé la page pour avec ses valeurs là donc euh, ne vous inquiétez pas ou oh, ce que je fais au départ je vais pas le mettre comme ça vous verrez dans la doc euh, non, enfin je vous le dis en la console il vous mettrait à il faudrait qu'il y ait use new URL parsers, euh, il faudrait qu'il y ait use topology, il faudrait qu'il y ait. Un... Donc euh, pour éviter qu'ils nous disent ça dans la console, ce pas des erreurs, ce serait des warnings, mais bon, on n'a pas envie de les voir. Donc on va les ajouter nous-mêmes. À... Ah il est malin, vous avez vu <laughs> Il aurait compris qu'on avait besoin de ça. Allez, Sauf que on a une, euh, une parenthèse de trop. Donc finalement, j'ai sous-estimé euh, GitHub Copilot en pensant qu'il n'arriverait pas à, à me suggérer ça. Allez, on est parti pour définir un schéma mongoose. Hein, toujours avec euh, simplement deux doigts. Un hein, pour le euh, pour book model. Oui, il a bien compris qu'on veut un book model. Et vous, vous allez voir, c'est fort. Puisqu'il il comprend de nouveau qu'on est vraiment en train de travailler sur des livres. Parce nous propose un titre, un auteur. Là, il n'y a plus de doute. Publish date, on est vraiment dans le monde du livre. Une description. Allez, on continue à tout générer. On pourrait avoir une URL de Vers le, une image du livre, une catégorie, un prix, un stock, un nombre de pages, non Et s'il est, est valable, quand est-ce qu'il a été créé Quand est-ce qu'il a été mis à jour bon. Nous, ce qu'on va faire, on n'a pas envie de renseigner trop de choses au moment du test. On va juste garder title, auteur, publish date, description. Voilà, c'est tout. Ça nous suffira bien. Euh, c'est pour aller plus vite. Et libre à vous après de vraiment faire la totale chez vous. Ensuite. Bah maintenant qu'on a un schéma, on peut créer un, un book, un book modèle. C'est drôle sur ma deuxième expérience, il m'avait mis tout ça dans des fichiers séparés. Donc voilà, bah là on a le schéma, donc on peut créer le modèle. Là on est purement dans du Mongoose. Il nous crée un modèle book qui permettra ensuite d'interagir avec une base MongoDB. Et après ça, qu'est-ce qu'on a Eh ben, il va définir les routes de l'API. Oh, C'est pas plus mal cet exemple parce qu'au moins ça ira plus vite que si on avait plein de fichiers. Allez pour du get, on va obtenir tous nos books. C'est bien. C'est bien du Mongoose. Vous avez vu Book.find. Aucun doute. C'est génial. Pour ça, c'est franchement. C'est franchement. Euh... Il a du mal parfois, voilà. C'est des trucs tout bêtes comme fermer des parenthèses. Euh, parfois ça lui pose problème. Alors, après ça, avoir du poste pour pouvoir créer un nouveau bouquin. Oui, oui, ça me plaît bien. Il faut lui laisser un peu le temps de mouliner. Il cherche, il cherche. Parmi... Euh... Les millions d'exemples qu'il a récupérés de ci, de là. Oui, book.create, ça sent bon. Tab. Ouais, comme je vous disais, c'est parfois. Euh, voilà, méfiez-vous de la fermeture euh, des parenthèses et il, a, il y a parfois du mal. On perd presque plus de temps euh, à fermer les parenthèses qu'à générer le général code. Après ça, qu'est-ce qu'on aura bon, On pourra faire du get by ID. Donc, oui. Ce localhost port 3000 slash book slash id. Ça nous plaît bien. Oui. Ah oh, merde. Okay, bon, il faut que je, j'apprenne euh, à quel moment il faut que j'appuie sur entrée, à quel moment j'appuie sur tab. Bon, c'est pas trop compliqué hein, comme apprentissage. Bon, c'est pas une version définitive. Hein. C'est pour ça que voilà. Il y a parfois des petits soucis. Bon, c'est tab tout le temps. Il faut que j'arrête d'appuyer sur entrée, mais je sais pas pourquoi j'ai cette. Alors, après le get, qu'est-ce qu'on veut du put pour pouvoir modifier un bouquin Ah oh, merde. Vous voyez, parfois ça mouline. Voilà. Tab. Donc, book.findById, un update. Impeccable. Vous remarquez que c'est la bonne syntaxe de propre à node. Hein. C'est-à-dire que c'est de l'erreur first dans le callback. Ah, attendez, voilà, là, juste dessous. D'abord l'erreur. Et ensuite, euh, s'il si n'y a pas eu d'erreur, bah, ce qu'on récupère ici des books. Ici, un book. Ici, un seul book, par Et. Il en quelque chose là, oui. Et enfin, le delete. Delete. Tab. Enfin, en fait, il faut le laisser vivre. On a tendance à être impatient quand même dans le dev. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous propose a... Ah bah on démarre le serveur. Démarrons le serveur. Sur port 3000, c'est génial. Or caméra m'avait proposé le port 8080. J'avais dû modifier pour mettre 3000. Alors est-ce qu'il a appris de mes préférences ou bien euh, c'est juste parce qu'il génère du code c'est tellement fréquent de créer des serveurs euh, Node sur Port 3000. Là, on sera à l'usage. Et en plus, il le met bien dans la console. Alors, on est comment là bah, On a l'air pas mal. Les exports maintenant. Il veut exporter APP. Bon, sauf que là, comme il a tout mis dans un fichier, euh, on n'aura pas besoin de l'apporter ailleurs, normalement. Mais bon, laissons-le vivre. Il a fini. Donc, maintenant, on a besoin d'apporter Express, Mangoose. Alors, je suis étonné qu'il ne nous ait pas, euh, il pas essayé de, de récupérer le body avec body parser quand on fait du post. Parce que reg.body, vous allez voir, ça va retourner undefined. Hein. Si vous êtes développeuse, développeur Express expérimenté, vous savez que là, le body va être undefined si on n'a pas utilisé le, le middleware body parser. Bah, on va commencer par. Se générer à l'aide npm init y un fichier package.json qui va nous permettre ensuite d'importer tout ce dont il a besoin. Le voilà. Et donc ce que nous voulons. Maintenant, lui installer. De quoi a-t-il besoin, notre bon ami En fait, là, c'est l'application qui a besoin d'Express. npm install Express. On a besoin de Mongoose. On a besoin... Oh, tout le reste, c'est des choses relatives. Bah, on, a, on sait qu'on va avoir besoin de, de body parser, donc je, je l'installe tout de suite. Même si on va pas s'en servir tout de suite, c'est juste pour vous montrer l'erreur qu'on aurait eue. L'erreur qui rend fou euh, tous ceux qui font de l'Express au début. Donc on a bien body parser, Express en version 4. quelque chose et Mongoose. Alors ce qu'on va faire également, on va lancer notre console pour pouvoir euh, accéder à notre console à Mongoose et faire du nettoyage parce que comme hors caméra j'avais joué déjà avec euh, la création de cette API. Donc on va dans Mongo. Mongo, voilà. On demande de nous montrer toutes les db, show DBS. Alors il voit books, euh, il va y avoir books quelque part. Books. B -b -books. Non, il pas books Ah book review, voyez oui, books. Donc on va faire, je vais ouvrir un petit cheat sheet parce que euh, je vais pas utiliser la console de Mongo depuis un moment. Donc euh, bah on oublie. On est câblé comme ça, on est câblé pour oublier les choses qu'on n'utilise pas. Quoi dire Alors si je veux delete, ça va être un drop ou delete. Enfin je sais plus, ça sera l'un des deux. Voilà drop, drop drop, top. Donc euh, on va on va utiliser Books. Bon, il nous l'aurait créé automatiquement, hein, Mongoose. Use Books. Show Collections. Collections. Il ne ah, suggère pas. Show Collections. Voilà, il y a une collection qui s'appelle Books. Donc Books, c'était pas très malin de ma part, mais bon. C'est peut-être euh, Mongoose qui a fait ça. Et donc, on va lui demander de dropper euh, la collection. Fais-moi un drop de db.books.drop. C'est bien ça. db.books.drop books.drop ce sera pour nous dp.books.drop Trou on l'a un côté du trou c'est qu'il a fait ce qu'on lui avait demandé de faire donc si maintenant on lui demande de faire un show collections il ne devrait plus en trouver aucune c'est bien donc on part à neuf c'est tout ça, ça ne servait qu'à ça et bien là on est parti on peut lancer notre serveur sur le port 3000 ici même alors ça va être euh, npm start listen listening en port 3000 <laughs> c'est pas beau <laughs> uniquement avec euh, avec deux doigts on a fait euh, cette petite appli alors il oui, bah c'était mon exemple précédent où j'avais utilisé api j'avais préfixé des pi en fait il avait préfixé j'avais bien aimé hors caméra il avait préfixé de api mais bon là il l'a pas fait c'est pas grave ce hein, sera à nous il suffirait qu'on qu préfixe Ici même, à chaque fois dans le chemin, qu'on mette API slash books. API slash books slash ID, etc. Et c'est pas grave. Là, c'est bien parti, parce qu'on a un tableau vide. Ça veut bien dire que bah, il a récupéré un, un tableau vide de books. Alors maintenant, on va essayer de créer... On va essayer de récupérer... Je vais m'adresser un peu. De poster, pardon, parce qu'on n'a rien à récupérer. Donc, on va utiliser Thunder Client. Ça, c'est une extension Visual Studio Code. Que vous pouvez installer hein, simplement en allant ici et en tapant Thunder Client. Ça vous dispense, voilà ici même, c'est elle. Ça vous dispense de lancer euh, Postman à côté. Ça vous, a, donc vous aurez maintenant cette icône et vous allez pouvoir créer une nouvelle request. Alors, new request. On va vouloir faire du post vers ce chemin-là. Postons, postons Ah il nous faut quoi Il nous faut un body Alors déjà, on essaie, on essaie de le get. Get, on a bien une réponse de 200. Et ça nous retourne un tableau vide. Normal. Normal, il n'y a rien. On n'a pas de livre encore. Fait. Poste. Alors, il faut qu'on poste. Un body, ce sera du JSON. Pour pas, euh, vous me voyez taper à deux valeurs, euh, j'ai déjà préparé. Oh, j'ai pas mis de guillemets, c'est pas bien ça. Bon là, c'était suite à un essai hors caméra pour m'assurer que ça marchait. Je vire ça. Je vire ça, je vire ça et j'ajoute des guillemets. Sinon c'est pas c'est pas du JSON ça, c'est ce qui m'avait été retourné. C'est pas du JSON si tout n'est pas entre guillemets. Publish date. Donc on est parti, on veut essayer de créer un bouquin. Et normalement ça devrait ça devrait pas être satisfaisant. Ça va nous créer quelque chose qui ne comportera qu pas euh, ce contenu-là, parce qu'on n'a pas encore utilisé Body Parser. Il n'a pas été capable de le faire pour nous nativement GitHub euh, Copilot. On envoie. On a du 200, c'est pas mal. Vous avez vu ce qui nous est retourné, ça aurait dû être un objet Book qui aurait eu un title, un auteur, une description, une publicité, ainsi qu'un ID et une version. Et si maintenant on retourne sur notre euh, Get ici, ah non, c'est pas celle-là. Sur euh, notre Get ici, eh bien vous allez voir que bon, c'est plus un tableau vide qu'on reçoit, c'est un tableau avec un objet mais qui ne comporte pas les données qu'on a postées. Il n'a pas été capable de récupérer depuis son body les différentes clés value. D'ailleurs, ici, si on le fait dans le navigateur, c'est pareil. C'est pas grave, ça nous, sera... ça nous servira à faire du delete sur cet élément qui est mal formé. Donc, c'est ce que je vous disais si vous êtes développeuse ou développeur express, expérimenté, vous savez que par défaut, il ne peut pas récupérer. Vous avez besoin du body parser. Alors, retrieve the body. T'envoyez votre which the body of the request. Oui. Voilà. Update you body parser. Express Alors sauf que c'est pas express body Alors, Ça c'est un peu vieux, vieux comme syntaxe. Euh... Pff, attends, je vais peut-être l'aider un peu. Là. Je vais lui dire var body parser. Ah, je me à utiliser des var. Bon, c'est pas grave, c'est pour être ISO avec lui. var body parser. Easy voilà, Ouais, voilà. Là, il, est... il est malin. Et maintenant, je lui demande d'utiliser Body Parser sans l'express devant. Ça, c'est mon rappel de vieux souvenirs. Voilà. Mais ça ne suffira pas parce que nous, c'est du JSON qu'on lui envoie. Donc... Euh... Alors, app.use. Non, pas ça. On va lui demander. Voilà. Alors, on va lui demander d'ouvrir copilote pour voir toutes les options qu'il nous propose. Et il devrait nous proposer le Body Parser qui permet de récupérer du JSON d'ordinaire j'irais euh, <laughs> sur Google ou, ou Stack Overflow pour chercher euh, la bonne syntaxe alors ça c'est problème de corse hein. si vous aviez euh, si vous avez un problème de corse et vous auriez un problème de corse si vous aviez un client qui s'exécutait sur un autre port ben vous auriez besoin d'ajouter ces, ces deux headers mais c'est pas ça qu'on cherche nous on cherche la façon de récupérer euh, body parser Jason, non, un autre, euh, s'il te plaît, à Trou. Ça, ce serait pour un formulaire. On l'ajoute quand même, non, pas d'adplette. Parfois, oui, oui, il sait, il sait pas qu'on est dans du. Oui, bravo, bravo, qui c'est bien ce que je cherchais. Là, normalement, on est pas mal. C'est-à-dire que maintenant, il devrait être capable de récupérer le body de notre requête. Allez, on y croit. On retourne dans Thunder Client. Ok, ok, là, en fait. On veut faire une nouvelle requête. New request. Et là, qu'est-ce qu'on veut faire On va faire du post cette fois-ci. On veut poster... Oh, on n'avait pas du poste déjà quelque part. Hein. On avait essayé de faire du post. Le voici. Ben, on va essayer de poster ça. Bon, ça marche, c'est pas encore pour tout de suite. Hein. On va garder les. On envoie. Ah, ça ne marche toujours pas. Alors, on va voir. Ah oui, parce qu'on n'a pas redémarré. Euh... On a pas démarre express, on n'a pas d'autre mon installé. Allez, mpem start, on va voir une autre... un autre. Euh, voilà maintenant on a deux choses qu'on devra supprimer. Body parser... Use individual JSON URL encoder. Deprecated. Body parser is deprecated. Use individual JSON URL encoded middleware. Alors dans server.js. Pour Pas perdre de temps, j'ai récupéré de, de mon exemple précédent que j'avais fait hors caméra hein, parce que il était arrivé du premier coup et là il a un peu de problème donc euh, c'est juste pour éviter ce warning qui me plaît pas beaucoup. Oui, 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 on sort, on relance. Voilà les dangers du copier-coller, c'est app.use parce que dans l'autre exemple on était passé par une instance de routeur. Euh, Allez, 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 voilà. Cette fois-ci, plus d'avertissement, ça marche sur le port. Allez, on y croit, on croise les doigts. On réessaie de poster. Send, et a... là, ça ne marche pas parce qu'il y a une expect token. une json apposition, add json.parse. Alors là, c'est une bad request. Uh, slash books, revoyons le chemin. On veut faire du post vers slash books. Est-ce que c'est bien ce qu'on a mis Books. Une aspective token c'est comme si il avait l'impression d'être euh, sur du HTML au lieu d'être d'avoir affaire à du JSON. Alors essayons de voir ce que nous récupère. Voilà, Body bien deviné parce que c'est un grand classique. En général, au niveau du body, on en bave. Et on va voir si ce qu'on envoie, c'est du... Euh... C'est du JSON euh, bien formé. Hop. Oui, il était valide. Bon, on sait que ça vient pas de ce qu'on envoie. Incroyable, j'ai passé un temps fou. J'ai mis sur pause, hein, ça m'a bien pris euh, 10 minutes, un quart d'heure. C'est de ma faute. C'est que j'avais une, une virgule finale. Et en fait... Euh, en output, lui, il m'avait pas mis la virgule finale et j'avais pas marqué comme c'était la seule erreur. Donc voilà la différence, c'est que ça ne passait pas uniquement parce que j'avais une virgule finale. Donc pour être sûr que c'est bien ça, essayons avec un autre bouquin. On essaye, alors, on refait une read, maintenant on a deux objets, plus un troisième bien formé. Et là maintenant, on devrait avoir un, un quatrième objet, et c'est le cas. Donc voilà, faites attention, j'ai perdu un quart d'heure, et mon sang froid, euh, parce que j'avais une virgule de trop à la fin de, de, de la dernière clé value. Alors, donc on sait que le read marche, on peut fermer tout le reste. On sait que le post marche, on vient de poster, et maintenant essayons le delete. Allez, on va se faire une nouvelle requête. New request. Fender client, new request. Cette fois-ci, on va faire du delete. Du delete vert. Je me fais toujours avoir. Il faut d'abord copier l'URL et ensuite l'ID. L'élément qu'on veut supprimer, il a cet ID-là. Copie. Celui qui finit par 87B. On veut faire du delete. On envoie, eh bien ça a visiblement marché parce qu'on a du 200, donc on ne devrait plus avoir d'objet qui finit par 87b. C'est bien le cas. Allez, on supprime le dernier. Donc là, on est en train de tester le delete. Ça, c'est le code qui a été créé par Copilot. Et c'est le cas, maintenant on n'a plus que nos bons enregistrements. Et pour le poste, comment est-ce qu'il a géré ça euh, ce qui nous permet de... de, de le post-update, ce qui nous a permis de update, update, update. Alors il récupère un élément par son ID et il le met à jour. En passant simplement le body. Alors, dans un autre exemple que j'avais fait hors caméra, il nous permettait aussi de modifier uniquement un champ si on le voulait. Donc euh, là j'ai l'impression qu'il va tout nous écraser. Alors euh, essayons... Oui il faut qu'on lui envoie tout le body qui nous intéresse. Donc, euh, si on se crée une nouvelle requête, new request, on veut faire du put et on va prendre cette URL-6, okay, il va falloir qu'on change l'ID parce que c'est quelque chose qu'on vient de supprimer. Donc, admettons qu'on veuille se modifier celui-là et qu'on mette juste edit. On va indiquer. Un body qui sera du JSON. Processe-moi ça pour m'en faire du propre. Voilà, lui il met pas de virgule finale. Et on va virer des choses qui nous intéresseront pas. Hop. Hop. On vire ça, on vire la version. En chacune de voir si on met que le titre, est-ce qu'il va nous garder le reste ou est-ce qu'il va. Unique, remplacer tout l'objet qui a cet ID là par un objet qui n'a plus que cet ID. Non, il est capable de modifier que. Ouah, sauf que j'aurais dû mettre autre chose. On va mettre Edit. Parce que là on ne sait pas si ça vient bien marché. Edit. Ça marche. Donc il est capable d'éditer euh, qu'un champ si on a envie. Et si on avait envie de modifier uniquement la, la description. Donc, on devrait voir l'outil qui comporte Edit. Vraiment. Non, on va mettre Edit simplement. Et Edit aussi. On envoie. Ah. Ah oui, encore la virgule. Hein. Donc vous le saurez. Eh bien, si on refait un get. Get 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 c'est le premier. Ah voilà, Edit, Edit. Bon bah c'est impeccable. En conclusion. Voilà ce que ça donne de travailler avec euh, GitHub Copilot. Hein. Les erreurs que j'ai eues, c'est les erreurs habituelles. Et ce qui était essentiellement de mon fait, c'est le fait que pendant les tests, euh, j'ai laissé traîner une virgule à la fin de la dernière clé value, quand j'ai fait du post et un peu du put. Et alors là, je vous montre. Ça, c'est la version qu'on a eue, avec tout, tout le modèle, aussi bien le, le schéma que le modèle, que les routes, tout se trouve dans le même fichier. Ça n'a pas été le cas avec mon essai hors caméra. Avec mon essai hors caméra, eh bien, ce qui nous a été généré, c'est un serveur qui a besoin. Bon, il fait la, la chose qu'on a fait nous également. Euh, bon, voilà. bon, les, on a fixé les Cores Issues. Hein, ça c'est quand vous utiliserez votre API avec un client qui sera forcément sur une autre URL ou la même URL le Kalos port euh, autre chose, sur un autre port, donc qui sera considéré comme n'ayant pas n'étant pas sur le même pas sur le même serveur que votre API, vous auriez des problèmes de CORS. Donc là, pour fixer les problèmes de corse, eh bien, j'ai lui demandé de fixer les erreurs de corse, Il nous a créé graduellement les deux headers dont on a besoin pour ne pas avoir de problème de CORS. Mais sur une autre version de l'application que j'avais créée, ah, je l'ai jeté. Bon, il avait importé le package CORS, importé une salle Après, il avait utilisé de CORS. Euh, et donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, dans une autre version, eh bien, il avait séparé le contrôleur. Qui, euh, donc, on j'avais dû créer un répertoire Controllers avec books. Dans cette autre version, générateur caméra, eh bien, euh, il nous avait été euh, généré un contrôleur. Donc voilà, si vous regardez, il a séparé les choses en deux fichiers. Mais sinon, on reconnaît bien nos petits. Hein, ça, il fait du model.find, model.find_by_id, model.log. Et quand je l'ai généré une troisième fois, il m'a généré les choses encore plus granulairement. C'est pour ça que c'est à vous de voir. Selon les commentaires que vous utilisez, il, va, il aura plus ou moins tendance à vous créer tout dans un fichier ou à séparer les choses. Et après, ce sera à vous de suivre. Si je reviens sur l'autre application, bah quand vous voyez qu'il s'attend à ce qu'il y ait ici un fichier, un répertoire contrôleur qui contient books, bah c'est à vous de créer un contrôleur s'il contient books. Et c'est là qu'en tapant ce commentaire, vous, vous demandez de créer un express contrôleur pour la ressource books. Et c'est là qu'il a créé un contrôleur. Donc elle est apparemment pour le modèle, hein. vous avez demandé qu'il vous définisse un schéma pour le modèle book. Donc c'est vraiment à vous, selon le type de commentaire que vous tapez, que Copilot va vous générer un code plus ou moins compact ou plus ou moins architecturé sur différents fichiers. Ben voilà, qu'est-ce que vous pensez de GitHub Copilot Moi je trouve qu'il y a des choses vraiment impressionnantes, hein, notamment au niveau de la génération du schéma, quand il commence à vous générer des des clés propres à bah, un livre, un book, ce sur quoi vous êtes en train de travailler, le fait qu'il a été capable de vous créer, bah, euh, d'interagir avec une base MongoDB via Mongoose, euh, quasiment du premier coup, sans erreur. Il, il aurait même été capable de générer ce que j'ai cherché moi-même sur Internet, c'est-à-dire ces différentes clés value à passer euh, en, en tant qu'objet à, à Mongoose.connect. Enfin bref, je trouve ça impressionnant. Mais ce qui est euh, positif pour nous, c'est que, bon, on voit bien que ça ne va pas nous remplacer parce que euh, j'ai dû euh, me servir de mes connaissances de développeur euh, back-end Node Express pour bah, régler euh, le problème de body parser. Donc euh, c'est laquelle qu'on a fait ensemble. C'était la BIS. Oui, voilà, BIS. Vous voyez, ça, ça, vous ne pouvez pas le deviner. Alors si vous pouvez taper Express, mais en fait, on tape des choses qu'on qu sait déjà plus ou moins, c'est-à-dire vous saviez si vous êtes développeur d'Express, Express, que y a, il faut que vous puissiez récupérer le body. Donc vous savez que ce sera un middleware, donc vous l'utiliserez 4.use. Et, et que quand c'est du JSON, bah voilà, il faut que vous, que vous ayez ce, ce middleware bodyperseur.json. Donc euh, c'est quand même un très gros soutien, parce que je n'avais pas créé d'API REST avec Node Express depuis plus d'un an. Mais bah, ça m'a évité d'aller euh, 10 fois, 20 fois, 30 fois dans la doc. Donc voilà, pour moi c'est très positif pour l'expérience, mais ça enlève un peu de la crainte qu'on ait. Euh, quand tout reste dans l'immédiat, ça ne va pas nous remplacer. Allez, donnez-moi votre avis sur GitHub Pilot, ce que vous en pensez maintenant sur quelque chose de grandeur nature, hein, pas une simple application qui. Bon, une fonction de trois lignes. Et si, est-ce que vous avez l'intention d'essayer ou pas Si c'est déjà fait, bah, n'hésitez pas à faire des retours d'expérience en commentaire, ça intéressera d'autres personnes, notamment si vous l'avez essayé avec d'autres choses que des clients et des serveurs euh, JavaScript. Vous pouvez continuer à monter en compétences donc sur le code, hein, parce que vous n'allez pas être remplacé via une formation Angular en 90 minutes, une formation Vue en 3 en 60 minutes, euh, une playlist sur les React Hooks, et puis tellement d'autres sur Node, sur Express, sur MongoDB, sur Code Concept. Allez, à bientôt!